Qui? Non, les portables. On avait dit qu'on éteignait les portables. Allô? Allô, Fabien Barthez, j'écoute. Ouais, non, non, je peux pas te parler. Non, je suis sur l'Olympia, là. Attends, ça capte pas. Attends, deux secondes, attends. Oui, je tente un truc, là. Ouais. Excusez-moi. Ouais, je crois que je me suis fait repérer, là. Ouais, ouais. Non, je suis à l'Olympia, là. Pour les Oscars. Ouais. Ouais, mais j'ai que ça à foutre en ce moment. Ouais, c'est... Ah, ben c'est sur Canal+, là. Il y a tout le monde du football. Il y a les joueurs, les présidents. Il y a Denisot. Il y a les renseignements généraux, le GIGN, le contre-espionnage. J'ai fait une soirée Canal classique, tu vois. C'est... Ouais, ouais. Non, c'est pas Gilardi qui présente, là. Non, c'est plus lui, là. Non, ils ont pris un couple de petits jeunes, là. C'est... Qui sortent du centre formation de Canal. Ouais, mais ça leur coûte moins cher que Gilardi, ouais, ouais. Ah, mais même à deux, ils sont moins chers, hein. Ouais, ils me confirment, ouais. Dis-moi, tu m'appelles? Non, dépêche-toi. Pour les vacances? Ouais, non, mais j'ai pas la tête à ça, là, je suis à l'Olympia, là. Non, je sais. Mais les dernières vacances, ça remonte. Attends, tu me prends de court, c'était l'année dernière. J'avais posé mes congés. En juin. Mais on est parti avec des collègues de boulot en voyage organisé. Portugal. Une semaine. Ouais. Ouais, mais il y a 3 ans, on avait déjà fait la Corée en 5 jours, c'est trop court. Ouais, ouais. Dis-moi. Ouais, tu m'appelles pour. Arrête de tourner autour du pot. Demande. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. De te faire un match caritatif. Ouais. Non, sur le principe, il n'y a pas de problème. Non, tu me diras juste combien c'est payé, c'est tout. Mais l'argent. Mais c'est pas un problème, l'argent. L'argent, c'est bon, j'avais fait le tour, l'argent. Ça à quoi, l'argent? Eh, franchement, quoi? Pour avoir quoi? Une voiture plus grosse, eh? Une maison plus grosse, eh? Une femme moins grosse, ouais, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Dis-moi, tu as vu le match? Ouais, non, je jouais pas. Non, j'étais blessé. Ouais, j'avais un petit souci, cuisse droite. Ouais. Gauche. Non, une des deux, sûr. Ouais. Ah non, mais c'est bien foutu, les examens cliniques, maintenant, ils arrivent à te dire où c'est que t'as mal, alors que tu sens rien, tu vois. Non, c'est bien foutu, ouais. Ah non, j'ai quand même fait le stage à Clairefontaine, hein. Ouais, j'ai fait tout l'entraînement avec Domenech. Ouais, l'enfer. Tu sais que Domenech, il nous fait faire des tours de terrain. Non, en courant. Ouais, non, mais il va gicler, Domenech, ouais. Non, mais il y a déjà des noms qui circulent pour le remplacer, ouais. Ouais, Bégrus, Bouglione. Un mec arrive à gérer des clowns, tu vois, ouais. Ouais, tu as vu? Ouais, j'ai craché. Ouais, j'avais envie de cracher. Ouais, c'est... Ouais, ils ont fait tout un pataquès, attends, je suis pas le premier gardien de but qui crache, c'est bon. Eh, oh. Ben si, mais Bernard Lama, il crachait. Ouais, elle est facile, ouais. Non, mais j'ai pris 6 mois de... Trois mois de suspension d'abord, puis ils ont trouvé que la suspension était trop souple, alors ils m'ont changé suspension, ils m'ont mis des suspensions plus fermes, ils m'ont mis 6 mois. Ouais, c'est sévère, hein. Ouais. Mais c'est-à-dire, ça s'est passé devant la commission, avec le juge, ça s'est pas trop bien passé, parce qu'ils ont voulu faire une reconstitution des faits, tu sais. Comme dans les scènes de crime, ouais. Ça s'est pas trop bien passé, non. Non, le juge, il a mal pris, ouais. Ben, il a pris dans l'œil, ouais. Ben, j'avais visé le front, mais deux fois au même endroit, c'est pas simple, tu vois, non plus, c'est... Ouais, non, mais je suis un peu...
Un peu dégoûté là du milieu du foot là. Le foot professionnel 2006, j'arrête le foot pro. Ouais 2006, ouais. Ah non. Ah non, l'équipe de France, je continue. Non. Ah non, tout ce qui est sport loisir, pétanque, jet ski, équipe de France, je continue. Ouais. D'ailleurs, je vais me faire une petite soirée canal après. Ouais. Oh putain, en parlant de soirée, t'as vu Eddie Barclay? Putain, c'est triste quand même, c'est chaud, hein. C'est chaud en ce moment, hein. Régnier, Eddie Barclay, Jean-Paul II, putain, il y a un papy-boom en ce moment, hein. Ouais. Moi, tu vois, je serai à la place de l'abbé Pierre le mois prochain, je me méfierai quand même, tu vois. Ouais. Ah non, attends, je me moque pas, attends, c'est bon. Non, tu sais que je suis très croyant. Si, depuis 98. Ouais, depuis la Coupe du Monde, je suis très croyant, moi aussi. Ah ben si, ben gagner une Coupe du Monde avec Carambeu, Guy Varche et Franck Leboeuf dans l'équipe, forcément tu deviens croyant. Hein, c'est... Ah ben c'est qu'à un moment donné, il y a une intervention divine quelque part, tu vois. C'est... Ouais. Eh ouais, c'était la grande époque où il y avait encore Jean-Paul II. Eh ouais. Ça fait quelque chose, Jean-Paul II. Eh, il nous manque. C'était quelqu'un quand même. T'as suivi les obsèques un peu, hein? Ouais. Connaissait du monde, hein? Ouais. Pauvre homme. C'est dur. Surtout pour sa femme et ses gosses. Ouais, c'est. Bon, attends. Ouais, non, je te laisse là parce qu'il faut qu'il remette les trucs là. Ouais, je te laisse. C'est à l'Olympia. Oui, c'est une jolie salle. Oui. Non, c'est pas immense. C'est. Tu vois l'appartement à Guémard? Eh bien, la moitié à peu près. Je te laisse. Ciao. Bye. Ciao.